Martin, ça y est, nous y sommes. Enfin, l'émotion, je pleure. Non, c'est absolument faux, j'ai juste la crème. Quelle superbe intro. Les amis, nous sommes, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 14 décembre, j'ai un fils qui va à la crèche. Et autant vous dire que j'ai une crève, mais une crève, donc désolé si je vous fais ce reveal face cam de Martin Skin avec une voix de... de canard, mais vous n'aurez pas mieux. Les amis, nous y sommes enfin. Vous avez été patients. Après plus de 2 ans et demi de teasing, de recherche, de développement, avec des toxicologues, avec des formulateurs, avec toute ma team, avec évidemment nos experts en cosmétiques et moi-même, nous y sommes enfin. Martin Skin voit le jour. Martin Skin sera lancé sur le site martincosmetics.com. Nous avons la double page Martin Skin le 13 janvier à midi pile, les amis. Et pour cette marque de skincare, les amis, on a vraiment voulu mettre l'efficacité au centre de toutes nos discussions. On a vraiment fait zéro concession. J'ai voulu développer une marque de skincare qui, dans ma tête, semble parfaite. Vous connaissez mon amour pour les produits skincare, vous connaissez mon amour pour tout ça. J'ai voulu développer pour cette première gamme, parce qu'il y aura évidemment plusieurs gammes, qui est axée traitement, qui est axée anti-imperfection. Et on a, avant toute chose, une blacklist qui est assez longue. Notre routine, l'entièreté de la routine, est formulée, attention les amis, prenez note. L'entièreté de la routine est donc formulée, les amis, sans phénoxyéthanol, vous le connaissez bien, sans huile essentielle, sans PEG, sans alcool, pas de silicone évidemment, pas de phtalate, pas de talc, pas de microplastique, pas de nanoparticules, pas d'huile minérale, pas de BHA, pas de substance d'origine animale, pas d'eau, pas de crème, rien du tout, les packs sont vides. C'est une boutade. Calme-toi. Et alors la cerise sur le gâteau, de cherry on the cake. L'intégralité de la routine est composée au minimum de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et là je m'applaudis. Et ça part sur du Patrick Sébastien, les amis! On est évidemment sur des actifs hautement concentrés. Vous en doutiez un petit peu, je pense, mais bon, voilà, ce n'est pas une surprise. Un maximum d'actifs pour cette première routine traitement. Nos produits sont évidemment vegan, les amis, cruelty-free. Tout est pensé dans nos bureaux en Belgique et fabriqué en France. Alors, je ne vais pas vous dévoiler, comme je peux le faire pour mes différents crash tests, le site Martin Skin et vous faire voyager à travers notre site internet. Je vais vous laisser un petit peu la surprise, les amis, car il sera évidemment live le 13 janvier. Mais vous allez très très vite comprendre que lors du développement, en tout cas de nos pages produits, j'ai voulu tirer finalement ce fil rouge que je tire finalement aussi à travers ma chaîne YouTube, c'est-à-dire vous informer, vous expliquer. Une listing key, c'est évidemment obligatoire, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose si on ne la comprend pas, si on ne sait pas la lire correctement. Il y a énormément de noms d'actifs qui ont l'air plus que mystérieux et j'ai voulu, à travers mes pages produits, développer plusieurs petits sous-menus, en fait, pour pouvoir vous expliquer le plus clairement possible à quoi servent tel ou tel actif. Tout simplement, finalement, parce qu'on a envie, avec Martin Skin, d'informer, d'instruire, en fait, notre communauté sur le monde des soins, des traitements de la peau, le monde des ingrédients, la cosmétologie. Et donc, à travers cette marque, nous allons tout simplement tenir un discours simple, concis, vous offrir des formules décortiquées. Et alors, on a également élaboré un glossaire, donc, via nos pages produits, très intéressant pour pouvoir, finalement, en apprendre un petit peu plus sur nos produits. Les amis, laissez-moi donc vous présenter la gamme complète. Nous avons donc 6 produits et un accessoire pour le lancement donc de Martin Skin. Le premier produit, les amis, est une petite pépite. Una pepitas. Una pepite. Le nettoyant. Comme son nom l'indique, un gel peeling. Alors les amis, ce nettoyant n'est pas juste un petit nettoyant pour aller un petit peu nettoyer ta petite peau de chouin. Martin adore quand ça décape. Alors, il est composé de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un gel moussant avec une texture très très fraîche et qui va être en fait la base de ta routine beauté. Alors, ce nettoyant, les amis, il est fortement concentré en AHA, tels que les acides glycoliques, azélaïques, tartariques, lactiques et mandéliques. Tu l'as compris, on est sur un cocktail d'acides tout bonnement. Alors, les acides AHA ont évidemment pour rôle d'aller exfolier de manière chimique la peau. Vous connaissez mon aversion complète pour les peelings en grains et j'ai donc voulu développer un nettoyant qui va vraiment aller desquamer en profondeur les couches supérieures de l'épiderme. On est donc vraiment sur un nettoyant avec un effet peau neuve pour aller desquamer, pour aller lisser le grain de peau et on va tout bonnement aller éliminer en fait les cellules mortes. Alors en plus de nos acides AHA qu'on adore, qu'on aime beaucoup, surtout dans cette gamme évidemment traitement anti-imperfection, on a été pimper notre formule avec du niacinamide.
niacinamide avec du zinc. Ce beau duo en fait de la vitamine PP, donc le niacinamide mélangé au zinc gluconate, ça va permettre aussi d'aller réguler le sébum, d'aller resserrer les pores, d'aller également travailler tout ce qui est petites infections au niveau du derme. Son effet anti-inflammatoire va vraiment pouvoir permettre d'aller atténuer de manière importante les imperfections. Je vais continuer mon blabla en me desquamant la gueule. Alright bitches, let's go for it bitches. Ouh. Belgique-lait. On est donc sur une texture gel qu'on va d'abord aller appliquer sur l'ensemble du visage, d'abord sec. Alors on a uniquement décidé de travailler avec des parfums d'origine naturelle, pas d'huile essentielle. Ce que j'ai vraiment voulu pouvoir allier quand même aussi une certaine sensorialité, parce qu'on va pas se mentir, du skincare qui pue la pétrochimie, le no parfum, I get it, mais il y a d'innombrables parfums naturels qui sont extraordinaires et qui permettent vraiment de pouvoir avoir une belle sensorialité sans que cela détériore tout simplement la liste des ingrédients. Alors, ce qui est important à savoir avec ce nettoyant, c'est qu'on a en plus mis un maximum d'émollients. On a également rajouté des huiles, de l'huile d'amande douce, pour vraiment éviter aussi d'avoir un côté ultra asséchant qu'on peut avoir avec certains nettoyants, vu qu'on a quand même boosté la compo avec un maximum d'acide. J'ai quand même voulu contrebalancer avec aussi un côté très hydratant pour éviter ce côté tiraillement une fois qu'on se nettoie le visage et qu'on se le sèche. Et en plus, pour éviter une irritation de l'épiderme, on a donc travaillé avec un pH à 5, qui est vraiment un pH très très proche du pH naturel de la peau. Et on a évidemment rajouté du sodium hyaluronate pour aller hydrater nos petites cellules de Chuang. Les amis, on va du coup rajouter un petit peu d'eau et on va donc faire mousser notre nettoyant. Alors important à savoir, lorsque vous allez utiliser ce produit pour la première fois, en tout cas les premières fois, vous pouvez, et c'est tout à fait possible, en tout cas moi je l'ai eu quand j'ai commencé à développer ce produit, à le tester au tout début, on peut avoir un desquamant, on peut vraiment avoir des peaux mortes qui se détachent les premiers jours en fait où on commence à tester ce traitement. Ne vous inquiétez pas, c'est évidemment le but, hein, on veut desquamer, on veut purifier, on veut nettoyer en profondeur, donc pas de panique. On peut également avoir des légers picotements, ça c'est également possible, hein, lorsqu'on travaille avec des acides, avec des AHA, mais ces picotements disparaissent au bout de quelques secondes. Une fois qu'on a bien massé notre visage, ne laissez surtout pas poser ce produit. Ce n'est pas un masque, on est vraiment sur un nettoyant qui doit être rincé, qui est très concentré. Donc une fois qu'on a bien massé et qu'on sent que les picotements ont cessé, on passe évidemment le visage à l'eau tiède pour bien aller désincruster et aller retirer tout le produit. Waouh ! La magie du montage, les amis. Alors évidemment, moi je n'ai plus de rougeur quand j'utilise ce produit, mais vous pouvez potentiellement avoir des légères rougeur évidemment si vous n'avez particulièrement, hein, si vous n'avez jamais utilisé de nettoyant enrichi en acide AHA. Il est vendu au prix de 24,95€ pour une contenance de 200 ml. Et alors un détail très important, si vous utilisez ce produit, ne vous exposez pas au soleil sans protection solaire. Lorsqu'on utilise des acides sur la peau, ça peut tout simplement augmenter la sensibilité aux rayons du soleil, donc faites très attention. Notre prochain produit, toujours dans la gamme jour, car j'ai oublié de vous dire vu que je suis une sombre merde, que nous avons dans cette routine une gamme jour et une gamme nuit, mais qui évidemment gravite autour de la même envie, c'est d'atténuer nos imperfections. On passe maintenant au before. Donc le before, c'est un sérum de jour à appliquer avant sa crème de jour, car mon dieu, spoil, oui, il y a également une crème de jour. Ici, nous sommes sur 96% d'ingrédients d'origine naturelle, les amis. Alors on est sur un sérum avec une formule émulsion riche, un peu lactée, très intéressant comme formule, comme texture. Et là, on a mis la dose, c'est peut-être pas très sexy, mais d'algues brunes. I know it's not sexy, but it's amazing. Et également de l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba, c'est une huile que j'aime de tout mon cœur et qui est juste exceptionnelle. Et donc cette algue brune a évidemment un autre nom, les amis. C'est aussi un téléphone portable. Allô? Et donc, cette algue brune a également un autre nom, c'est évidemment la salicorne. Alors la salicorne, c'est un ingrédient très intéressant. La salicorne, c'est donc une plante côtière, et c'est surtout une plante extrêmement résistante. C'est un ingrédient qui va avoir un effet désaltérant, relipidant. En gros, ça va en fait aller retenir l'hydratation dans les cellules de la peau. Alors, détail aussi très important, c'est que la salicorne est bourrée de vitamine A, de vitamine C, de zinc, mais aussi de magnésium, et tout ça lui confère tout bonnement des propriétés apaisantes, purifiantes. Et alors un dernier petit détail, dans la salicorne, il y a un polyphénol très très rare. Alors son nom, juste pour la blague, l'épigallocatéchine, les amis. Exotic. Et alors cet ingrédient a un pouvoir anti-âge très intéressant et surtout antioxydant. On se tartine la gueule. Voilà, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de très 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 laiteux, très intéressant. De nouveau, un parfum évidemment d'origine naturelle, très neutre, très naturel. Il y a un peu une odeur bébé, à vrai dire. On est vraiment sur une odeur de coton naturel. Donc on a évidemment aussi de l'acide
hyaluronique. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est agent hydratant, relipidant. Et alors, on a toujours, pour soutenir vraiment notre gamme anti-imperfection, de la vitamine PP, hein, donc du niacinamide, également connu sous le nom de la vitamine B3, concentré ici à 3%, et ce qui nous permet tout simplement de continuer ce qu'on recherche aussi, donc évidemment, avec le nettoyant, c'est-à-dire aller réguler le sébum, resserrer les pores, tout le concept vraiment des agents anti-inflammatoires. Voilà, on a vraiment voulu tirer cela jusque dans ce premier sérum. Le sérum Bifor est vendu au prix de 34,95€, et on est donc sur une contenance de 30 ml. N'hésitez pas évidemment à vous masser la tronche, hein, les amis, profitez de ce moment. Approche ta perche, approche ta perche. Profitez de ce moment. Détail important, les amis, on est sur un sérum qui ne fait pas de peluche. Vous connaissez aussi mon aversion pour les sérums qui font vraiment des peluches dégueulasses, donc vous pouvez tout à fait vous maquiller au-dessus de ce sérum. Mais avant de se maquiller, on doit évidemment appliquer sa crème hydratante, les amis. Nous passons donc maintenant à notre crème de jour qui s'appelle tout bonnement la crème. Et ici, nous sommes donc sur un concentré absolu d'hydratation. Alors là, on augmente encore notre naturalité, on est donc sur 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et on est vraiment sur une émulsion extrêmement onctueuse, crémeuse, mais attention, absolument pas grasse, toujours dans l'optique de pouvoir se maquiller, se faire un joli teint, sans ressembler évidemment à un paquet de frites. Alors ici, on est vraiment dans une optique d'hydratation. Très important, évidemment, lorsqu'on a une routine bourrée d'acides glycoliques, d'azélaïques, mandéliques, voilà, vraiment sur un cocktail d'acides et également de régulateurs de sébum, on peut évidemment avoir tendance à avoir une peau qui s'assèche. Et en fait, il y a un autre élément que les gens ne prennent que trop rarement en considération, c'est qu'une peau acnéique, une peau à problème, une peau à tendance réactive, avec des dermites de toutes sortes, en fait, elle a besoin d'hydratation. On se dit que, oh, une peau avec de l'acné, il faut absolument aller l'assécher pour éradiquer son acné. C'est absolument faux, c'est totalement faux. Une peau a besoin d'être hydratée pour pouvoir attaquer le problème par la suite. Et donc, on a évidemment de l'acide hyaluronique dans cette crème. C'est ce qui va vraiment permettre en fait d'aller créer un film hydratant sur la peau. Et alors, cet acide hyaluronique, on va donc l'associer au squalane évidemment végétal, hein. Pas de graisse de requin évidemment dans les produits Martin Skin, les amis. Et ces deux actifs associés vont tout bonnement permettre en fait d'aller réparer le film hydrolipidique de la peau et surtout de le rendre occlusif. Et alors, on a rajouté évidemment du beurre de karité. Alors, c'est un ingrédient qu'on connaît tous, mais qui est juste extraordinaire. On ne change pas finalement une équipe qui gagne, les amis. Le beurre de karité, évidemment, constitué d'acide gras, il y a de la vitamine A, de la vitamine D, et surtout de la vitamine E qui va aller apaiser, nourrir, c'est-à-dire un joli petit cocktail finalement d'antioxydants pour aller lutter finalement contre le vieillissement cutané. Et on est vraiment sur une crème que j'ai voulu, mine de rien, très onctueuse, mais qui ne fait pas donc cette espèce de film gras. Pareil, cette crème ne peluche pas, il y a encore beaucoup trop de crèmes, je trouve, sur le marché qui ont vraiment cet effet de films qui se peluchent sur la peau. Dès qu'on superpose en fait des sérums avec des crèmes, généralement on se retrouve vraiment avec une peau plein de petites peluches dégueulasses et ça ressemble tout simplement à rien. Et alors on n'oublie pas le cou aussi, les amis, notre petit cou de chouette. Et alors on a donc aussi ajouté de la glycérine, ça c'est vraiment pour l'effet toucher baume de ce produit qui est très très agréable. Et alors pareil au niveau du parfum, on est vraiment sur quelque chose d'assez baby-like en fait, hein, vraiment. C'est un peu mes hormones qui ont dû jouer, hein, vu que j'étais fortement enceinte au moment de la fin du développement de cette marque, hein, donc j'ai mis une odeur bébé partout. Mais donc on est vraiment sur une odeur très réconfortante, très légère, hein. Y a vraiment rien qui prend au pif. C'est vraiment très léger, c'est juste très agréable, frais. Oui, cette odeur de coton tout simplement. Donc un parfum évidemment d'origine naturelle. Donc 98% d'ingrédients d'origine naturelle pour ce produit. Et cette crème de jour sera donc vendue au prix de 24,95€ pour une contenance donc de 50 ml. Ceci était donc la présentation de la routine jour. Et dans cette même routine complète, j'ai aussi la partie nocturne de nos produits. La routine de nuit Martin Skin. Alors, il y a un produit un petit peu, j'ai envie de dire, qui vole dans cette routine, c'est notre masque aux acides. Ah, je vous ai dit, j'aime quand c'est dégueu. Notre masque qui s'appelle tout simplement l'acide. L'acide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? De l'acide. Alors, ce produit à appliquer le soir, on est sur une globalité donc de 12% d'acide. On va avoir 10% de AHA, mais également 2% d'acide lactobionique. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc, nos AHA, nos acides alpha-hydroxylés, ce sont donc des acides de fruits. Et ce sont en fait des exfoliants enzymatiques qui vont aller booster en fait le renouvellement cellulaire. Hein. Donc, on va desquamer, renouveler en fait les cellules. Et ici, on a voulu une dose très concentrée d'acide glycolique, évidemment, tartarique
citrique et des acides lactiques. Alors les PHA, donc l'acide lactobionique, il a un poids moléculaire un petit peu plus élevé, ce qui permet en fait d'être un peu plus doux que les acides AHA comme on les connaît. Et donc avec ce duo d'AHA et de PHA, en fait, on va aussi aller travailler tout ce qui est taches pigmentaires, par exemple. Pour appliquer notre masque, évidemment, on va pas utiliser nos mains, les amis. Nous allons donc utiliser notre pinceau Martin Skin pour appliquer notre masque l'acide. Alors pour vous réexpliquer rapidement comment procéder dans la routine, on l'applique évidemment une fois qu'on a nettoyé son visage. Donc on passe d'abord au nettoyant, gel peeling, et puis on remet une couche, les amis, avec ce masque aux acides AHA. On met une fine couche d'abord sur pinceau qu'on va ensuite aller étaler sur le visage. Deux pumps vraiment suffisent pour une grande partie du visage. On peut rajouter vraiment un petit pump pour le front et au niveau du menton. On évite évidemment, les amis, le contour des yeux. De nouveau, on peut avoir évidemment un effet de picotement. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très concentré. On va aller desquamer de manière chimique. Donc on évite vraiment... Enfin, moi, personnellement, je tente d'éviter au maximum les peelings mécaniques avec des grains et ce genre de choses. Et puis surtout, ça permet en fait un peeling bien plus en profondeur qu'un peeling mécanique. On ne va pas se mentir. Un peeling chimique pénètre bien plus en profondeur dans l'épiderme et permet vraiment de détacher, de desquamer de manière beaucoup plus intense. Une fois que c'est appliqué, on laisse poser 10 minutes et puis on rince. Et voilà, c'est nettoyé, c'est retiré. Notre masque, l'acide, a une contenance de 50 ml, sera vendu au prix de 34,95 €. On est sur 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors très important évidemment, comme avec notre nettoyant gel peeling, on applique évidemment une protection solaire si on décide d'utiliser ce produit en journée avant de sortir de chez soi. On continue notre routine de nuit avec un deuxième sérum, l'after. Alors pour ce sérum qui s'utilise vraiment en duo avec notre crème de nuit dont je vais vous parler évidemment juste après, j'ai vraiment voulu allier le travail de l'anti-imperfection même quand on fait un gros dodo. On va évidemment avoir des agents hydratants, on va avoir également donc des PHA, des AHA en plus petite dose. Mais ici le but de ce sérum c'est évidemment d'aller lisser et de purifier. On est sur 98% d'ingrédients d'origine naturelle et comme notre sérum jour, on est vraiment sur quelque chose de très onctueux, de quelque chose d'assez laiteux en termes de texture. Et alors on a un ingrédient que j'adore, que j'ai découvert à travers mes recherches avec mes toxicologues et nos développeurs, c'est le gluconolactone. Alors on l'a mis ici en concentration à 5% et j'ai évidemment voulu donner un petit côté anti-ridule à ce sérum. Et donc cet acide gluconique, il a vraiment cet agent lissant, cet agent anti-ridule et il va surtout aller réduire visiblement les pores. On a aussi nos deux acides qu'on aime beaucoup, l'acide azélaïque et l'acide lactique. Donc des acides beaucoup plus doux, hein, vraiment on n'est pas du tout sur un acide glycolique par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Et alors au sein de la formule, on a aussi un tripeptide pour vraiment aller donner un côté repulpant aussi à ce produit. Et alors on va évidemment avoir des agents hydratants, hein, donc le sodium PCA. Et alors on a aussi évidemment du squalane végétal. D'ailleurs notre squalane, il vient de l'huile d'olive. Alors ça on va donc l'appliquer évidemment sur peau propre, peau sèche, une fois qu'on a fait tous nos autres petits traitements, notre nettoyant et éventuellement l'acide. Donc d'ailleurs l'acide, il faut l'appliquer que une à deux fois par semaine, donc pas obligé évidemment, surtout pas, d'appliquer cet acide de manière quotidienne avant votre routine du soir. Par contre, pensez évidemment toujours bien à nettoyer pour continuer le traitement anti-imperfection votre visage avec le gel peeling. On applique donc notre sérum sur l'intégralité du visage, également le cou. L'after est donc vendu comme son petit copain, le before, à 34,95 € et toujours pour une contenance de 30 ml. Et là, je suis extrêmement excitée parce qu'on va parler de mon petit produit fétiche. Déjà, le nom est exceptionnel, la Grass Knight. Alors la Grass Knight, c'est un produit hybride. On est donc sur une crème de nuit qu'on peut utiliser tout simplement en plus fine couche pour être une crème de nuit. Par contre, si vous avez un souci de déshydratation assez important, si vous recherchez quelque chose d'extrêmement relipidant, qui va vraiment aller réhydrater, qui va aller donner ce côté très plumping à la peau, si vous recherchez quelque chose finalement, on va pas se mentir, qui vous donne ce petit côté, you know, like plumped and shit in the morning, yeah. Eh bien, la Grass Knight est clairement fait pour vous. Ce produit est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et on est donc sur une crème très très riche, un effet baume assez important qui me plaît énormément et qui te fera tout simplement l'effet d'une longue nuit de sommeil car on sait ce que tu fais la nuit. On va retrouver comme ingrédient principal encore des algues. Alors ici on est sur l'algue laminaria et c'est une algue brune encore une fois, toujours pas très sexy. Par contre ici on est vraiment sur une algue qui a vraiment des propriétés calmantes, anti-inflammatoires,
anti-inflammatoire, antioxydant, et ça va aussi aller permettre d'aller combattre, par exemple, la perte de densité dans les tissus. C'est vraiment ce côté plumping dont je vous parlais. Et puis surtout, elle fait quelque chose qu'on aime beaucoup, surtout quand on commence à avoir une vieille peau de chouin, passé la trentaine, ça va permettre d'aller booster la production de collagène de notre peau. Alors là, on a mis, les amis, aussi 10% de squalane végétale qu'on adore. On a aussi mis un maximum de beurre de karité car on adore les vitamines qu'il contient, ce qui permet aussi vraiment d'aller, par exemple, travailler des problèmes de démangeaison qu'on peut avoir, surtout en fin de journée, qu'on a vraiment besoin de ce moment de douceur extrême. La Grass Knight is like your best friend. Et donc, si vous voulez avoir cet effet vraiment masque, eh bien, je vous conseille tout simplement de le mettre en couche beaucoup plus épaisse. On peut vraiment encore un peu voir le produit. Moi, je vais là maintenant le mettre évidemment en couche un peu plus fine parce que j'ai encore une vie sociale juste après. Et donc, quand vous allez vous réveiller le matin, la peau aura absorbé l'intégralité du produit et on se réveille vraiment avec cette peau repulpée. J'adore. Alors, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une texture beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus onctueuse, quelque chose de beaucoup plus riche que la crème de jour. I mean like, it's like, oh god, it's so sexy. Et alors la texture est vraiment au niveau des doigts, je veux dire, cette crème s'appelle la Grass Knight quoi. Je ne peux pas être plus claire. Même en fine couche, on est quand même sur un produit évidemment qui donne un effet frite. Mais c'est ce qu'on recherche. On recherche vraiment quelque chose qui va aller nous lisser les traits, qui va aller hydrater intensément en profondeur l'épiderme. Donc voilà, franchement, en cas de sécheresse intense, n'hésitez pas à mettre la dose. Et toujours l'odeur, hein, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Hein. Toujours cette odeur de coton, cette odeur un petit peu bébé. Oh là là, j'aime tellement cette crème, elle est incroyable. Elle est vendue également au prix de 24,95€. Pour une contenance de 50 ml. D'ailleurs, cette crème est également incroyable pour faire des massages du visage. Alors moi, j'ai ma chère et tendre Sarah, qui est ma make-up artiste, qui adore me faire des petits massages avant de me faire glammed up. Et c'est vrai qu'on aime bien le faire avec ce produit qui est d'une douceur, enfin qui... Oh là là, j'adore, I love it. Et c'est avec cette peau absolument repulpée, réhydratée, que je vais donc clôturer cette vidéo en vous annonçant qu'on a des prix kits. Donc on va avoir la routine jour, la routine nuit. Le day set est vendu au prix de 74,95€ au lieu de 84,85€. Et le night set est également vendu au même prix. La routine complète, les 6 produits plus le pinceau, sont vendus au prix de 174,95€ au lieu donc de 199,60€. Et alors j'aimerais terminer aussi par un point important. Lorsque j'étais enceinte, j'ai, sans déconner, galéré à trouver, autre évidemment les produits Martin Skin que j'avais dans les flacons de test, etc. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver en fait des produits skincare qui ne contiennent pas d'huile essentielle ou même de dérivés d'huile essentielle. Et c'était vraiment très très chiant. Donc j'ai vraiment voulu mettre un point là-dessus. Et c'était important pour moi de développer cette marque de skincare qui soit safe pour maman et futur bébé évidemment. Et pour les femmes allaitantes, qu'on oublie aussi. Il n'y a donc aucune huile essentielle, aucun perturbateur endocrinien, aucun conservateur problématique. On a vraiment décidé de faire très attention à ça pour permettre de, voilà, même l'acide, hein, donc même le masque acide peut être utilisé par les femmes enceintes. Alors pour les packaging, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé à travers cette vidéo, mais j'ai vraiment voulu rester sur quelque chose d'assez neutre, d'assez simple, même par rapport à la DA. On est par exemple aussi sur des airless, ce qui nous a évidemment permis de ne pas avoir 1 milliard de conservateurs dans ces produits. La gamme est évidemment genderless. Et alors accessoirement, on a aussi pas de pack secondaire, donc on a vraiment voulu éviter l'utilisation à outrance des cartons. On peut tout simplement mettre la listinky à l'arrière des produits, parce qu'il y a énormément de marques aussi qui mettent uniquement leur listinky sur les packs secondaires. Une fois que tu jettes ce pack, tu n'as plus aucune idée de ce qu'il y a dans ton produit. Ici, il y a une transparence absolue, tout est mis sur les packaging en fait. Le seul pack secondaire qu'on a dû maintenir, c'est le pack secondaire du pinceau qui doit malheureusement être dans ce papier craft, mais on a vraiment tenté de faire le plus simple possible et le plus responsable possible, voilà. Et nous y sommes donc, les amis. Martin Skin verra donc le jour le 13 janvier à midi sur notre site martincosmetics.com. C'est ouf, après autant d'années, parce que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille sur cette marque. J'ai vraiment cru que ça n'allait jamais voir le jour, mais nous y sommes. Et je vous réserve évidemment plein d'autres très très belles surprises avec Martin Skin, les amis. Ceci n'est que le début d'une très belle et très longue histoire, je l'espère. J'ai très très hâte aussi déjà de vous balancer nos prochaines gammes qui seront toujours dans un contexte de traitement. Ici, on est donc dans un traitement anti-imperfection. J'espère en tout
cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura permis de découvrir cette future marque en détail. Et alors, je vais terminer également sur ce petit point important. Lorsque vous commanderez vos produits, vous allez recevoir ceci dans votre colis. Cette petite carte routine, routine jour, routine nuit, qui vous explique vraiment, encore une fois, pas à pas, comment utiliser les produits, à quelle fréquence, etc, etc. Voilà, moi je vous fais des énormes bisous, je vous aime très très fort, merci car tout ça c'est grâce à vous. Je vis un rêve éveillé, j'ai un job incroyable, je fais le métier de mes rêves en fait, et c'est rare, donc j'aimerais vous remercier d'être là, d'être présente, de croire aussi finalement un petit peu avec moi en mes rêves, et j'espère que ces produits vous plairont. Voilà, ce sera donc dispo le 13 janvier les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ah, c'est fou, ciao. La 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 la.